Bienvenue à vous sur La Nature en Images et le thème de cette vidéo aujourd'hui sera le camouflage, comment se fondre dans la nature, pourquoi faire, dans quel but. Je vous explique un petit peu tout cela dans cette vidéo. Notez que ici le camouflage est très important parce que si l'on ne vous voit pas, si l'on ne vous entend pas, vous aurez toutes les chances de ne pas attirer l'attention de votre sujet éventuel et de pouvoir lui tirer le portrait à longueur de temps. Comme vous l'entendez. Je réponds donc par l'intermédiaire de cette vidéo à de trop nombreuses questions qui me reviennent. Pourquoi est-ce qu'il faut se camoufler? Que faut-il comme matériel pour se camoufler? Où est-ce que je peux trouver mon matériel de camouflage, etc., etc. Parce que là, comme vous pouvez le constater, dans ce milieu naturel, je suis complètement inaperçu. Inaperçu, pas tout à fait, parce que me voici, et oui, c'était une petite blague, et je vous explique tout ça après le générique. Bienvenue à tous ceux qui découvraient la nature en images. Dans cette chaîne YouTube, vous allez trouver des photos, des vidéos, des trucs et astuces par rapport à la photographie naturaliste. Je me suis spécialisé dans la macrophotographie et dans la photographie ornithologique. Vous trouverez donc au sein de la chaîne YouTube des tutos, des vidéos naturelles, en milieu naturel, sur mes sujets de prédilection. Et là, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons donc parler, comme énoncé en introduction, des tenues de camouflage. Pourquoi faut-il se camoufler? Déjà, pour commencer, vous vous camouflez pour se fondre dans la nature et vous fondre d'un point de vue optimal. Mais vous pouvez constater que ma tenue est entièrement adaptée au milieu naturel dans lequel je me trouve. Et d'autant plus qu'il est adapté, je n'aurai aucun mal à me fondre dans ce milieu naturel et ainsi pouvoir passer inaperçu par rapport à d'éventuels sujets qui pourraient se présenter et pour lesquels je suis venu faire des photos ou tourner des vidéos. Qui dit tenue de camouflage dit potentiellement photographie en billboard ou photographie en affût. Alors, photographie de billboard, comme son nom l'indique, vous allez vous promener dans la nature à la recherche de votre sujet. Ou alors, photographie en affût, c'est-à-dire que vous allez vous poster à un endroit et attendre que le sujet vienne à vous. Dans les deux cas, la tenue de camouflage est très importante parce qu'elle va vous permettre d'approcher votre sujet au plus près. Méfiez-vous de votre apparence et de votre silhouette. Parce que si vous êtes en tenue de camouflage, à contre-jour, par rapport à un chevreuil ou un renard ou que sais-je comme animaux, rien ne ressemble plus à un homme à contre-jour en train de marcher qu'un homme en tenue de camouflage. Le contraste entre l'arrière-plan et vous qui êtes sombre et potentiellement camouflé va faire apparaître votre silhouette et là votre sujet va vraiment vous capter et il va se barrer avant même que vous ayez eu le temps de dire ouf. Donc la tenue de camouflage, oui c'est important. Le déplacement, c'est aussi important. Il faut réfléchir à ces déplacements. Il faut analyser le terrain parce que, encore une fois, même si vous êtes camouflé, que vous ne faites pas attention, que vous passez à contre-jour dans une clairière, vous allez vous faire capter par d'éventuels chevreuils, renards, sangliers, etc. Alors, comme vous pouvez le constater, la tenue de camouflage que je porte aujourd'hui, eh bien, j'ai été l'acheter ni plus ni moins chez Decathlon. Pour ceux qui auraient vu la vidéo précédente par rapport aux tenues de camouflage et au matériel de camouflage, vous avez vu que ma tenue précédente était de la marque Sportif, une marque canadienne très réputée dans le monde de la chasse et notamment de la chasse à l'arc, puisque les tenues sportives sont vraiment furtives et elles ne produisent quasiment aucun son lorsque vous vous déplacez. Il n'y a quasiment pas de frottement ou de bruit de frottement lorsque vous bougez les bras ou bougez les jambes, et ça c'est très important parce que plus vous allez vous approcher de votre sujet, encore une fois, et plus les bruits parasites vont vous dommager et vont impacter le résultat final de vos photos. Parce que si votre sujet vous entend vous approcher, il va être aux aguets, d'autant plus que s'il ne vous voit pas parce que vous vous êtes super bien protégé, super bien déplacé, il va sentir la présence éventuelle d'un danger, et là il sera davantage aux aguets à la recherche du bruit en question, et lorsqu'il va vous capter, il ne va même pas chercher à comprendre, il va se sauver direct. Donc, camouflage, oui, mais étudiez bien potentiellement le bruit que peut produire la tenue de camouflage que vous allez choisir pour vos déplacements. C'est très important. J'insiste lourdement sur le truc, mais je vois trop de gens autour de moi, et lorsque je suis en formation, avoir des tenues de camouflage dont les tissus ne sont pas forcément adaptés et adéquates, et au moindre mouvement
inopportun de leur part suite à un réflexe malencontreux. Ça fait du bruit, ça réveille le chevreuil potentiellement qui dormait. Il se barre, merci, au revoir, terminé, on passe au suivant. Donc en ce qui me concerne, la tenue. J'ai investi chez Decathlon, ni plus ni moins, parce que chez Sportchief, je n'ai pas réussi à retrouver la veste que j'avais auparavant, qui était super confortable, qui était silencieuse, si l'on peut dire, même si elle avait quelques défauts à ce niveau-là. Mais encore une fois, et comme tout votre matériel, photo ou autre, vous devez connaître les caractéristiques et les limites de votre matériel, et bien votre tenue de camouflage, c'est pareil, vous devez connaître ses limites. Et je savais certaines limites au niveau de ma tenue. Son gros défaut était les poches zippées. Les poches zippées faisaient un bruit assez dérangeant et assez caractéristique qui vous faisait repérer à coup sûr. Les gants, donc, je les ai achetés chez Decathlon. Je vous mets le modèle et la référence, comme d'habitude, en illustration de mes propos. La veste de camouflage, Decathlon, toujours. Le pantalon, Decathlon. Tous ces accessoires, je vous mets en description la marque et le modèle et en image afin de vous donner le nom exact de la tenue, parce que chez Decathlon, le gros souci, c'est que c'est des noms à rallonge. Nous ne sommes pas chez Ikea, mais enfin bon, c'est un petit peu furtive 500 de WTXY, c'est un peu compliqué. Donc je préfère vous mettre l'appellation entière en illustration, comme ça au moins il n'y a pas de quiproquo sur l'interprétation. C'est pareil, dans le choix de votre tenue de camouflage, faites attention à la saison pour laquelle vous destinez la tenue que vous allez acheter. Est-ce que c'est une tenue pour une saison intermédiaire, automne, printemps ? Est-ce que c'est une saison été ? Ou est-ce que c'est une saison hiver ? Faites très attention lorsque vous achetez cette tenue, parce que la saison pour laquelle elle est destinée va vous impacter dans le sens où vous allez devoir acheter des sous-équipements pour pouvoir vous tenir chaud si vous avez acheté une tenue été et que vous voulez la porter en hiver. Plus vous allez multiplier les sous-couches, plus vous allez avoir du mal à vous mouvoir. Et qui dit du mal à se mouvoir, dit potentiellement du bruit à venir. Parce que vous allez faire des mouvements amples, des mouvements qui vont être un petit peu entravés par votre tenue, vous n'allez pas être à l'aise, donc attention à cela, vous risquez de faire du bruit avec le branchage, vous risquez de faire du bruit en marchant dans une flaque d'eau, par exemple, vous risquez de faire du bruit lorsque vous vous déplacez parce que vous n'êtes pas à l'aise au niveau des genoux. En ce qui concerne les tenues hiver, pour ma part, c'est un bon choix, mais encore une fois, à ne porter qu'en hiver, bien évidemment, parce qu'elles vont tellement être chaudes, tellement être molletonnées, que l'été, ça va être un vrai four. Alors, pour le régime, ça va être nickel, hein. Vous allez perdre 2 litres d'eau en 2 heures de sortie. Donc là, potentiellement, au niveau de la sudation, nickel. Mais par contre, eh bien, vous allez être dans l'inconfort, puisque vous allez transpirer en été avec une tenue d'hiver, vous allez avoir la tenue qui va vous coller aux jambes, aux bras, et là encore, vous allez avoir du mal à vous mouvoir, parce que la tenue va tirer sur votre peau, sur vos poils, notamment au niveau des jambes, et là, ça va être douloureux, et ça va être pénible. Donc, attention à l'acquisition de cette tenue, choisissez bien la saison. Personnellement, lorsque j'achète une tenue comme celle-ci, je prends toujours des saisons intermédiaires, printemps, automne. Comme ça, j'adapte au niveau de la morphologie et au niveau de la température extérieure les sous-couches à apporter. Par exemple, le pantalon que j'ai ici, si vous voulez, il est potentiellement pour l'hiver, mais je peux le porter pour les saisons intermédiaires parce que sur les côtés, à ce niveau-là, vous voyez, il y a des petites fermetures éclair et j'ai des aérations qui vont venir ici me rafraîchir les jambes. Alors, vous allez me dire, c'est du gadget. Ouais, c'est du gadget, d'accord. Mais lorsque vous êtes en transpiration, ce petit courant d'air au niveau des cuisses va permettre une évaporation de la transpiration et ainsi de faire en sorte que le vêtement ne va pas vous coller aux jambes. Donc, vous allez être un petit peu plus tranquille par rapport à vos déplacements. Comme je viens de le dire, le pantalon, il est équipé ici d'une pochette avec une grille d'aération, et cette grille d'aération, elle va empêcher les insectes éventuels de rentrer à l'intérieur. Ce qui n'est quand même pas négligeable, parce que une araignée qui rentre, ou un nid de fourmis rouges que vous n'avez pas fait gaffe, qui est à côté de vous, alors que vous êtes à genoux, accroupi, allongé, peu importe, eh bien, ça peut vite être désagréable. Et si vous vous retrouvez en slip au milieu de la nature, alors vous allez me dire, c'est pas dérangeant, mais secouer le pantalon en slibard au milieu des champs parce que vous avez le nid de fourmis rouges qui est rentré dans votre pantalon, vous allez le faire une fois, hein, vous n'allez pas le faire deux. Hein. Et comme vous pouvez le constater, quand même, cette fermeture éclair est quand même assez large parce qu'elle mesure quasiment 25 cm de long. C'est donc
à ce niveau-là un gain d'aération potentiel encore une fois. Autre avantage de son pantalon, c'est que toutes les poches, même les poches d'aération sur les côtés au niveau des cuisses, sont zippées étanches. Elles sont zippées étanches. Revenons deux minutes sur le fait que le pantalon soit censé être étanche. Non, c'est pas possible. Le pantalon ne peut pas être étanche. Il va être, comme on dirait pour une montre, c'est-à-dire waterproof, résistante à l'eau, mais à partir d'un certain seuil, l'eau va pénétrer le pantalon quand même. Rien n'est étanche à ce niveau-là, et le problème, c'est que si vous avez un pantalon étanche, à 100%, cela existe, d'accord, mais attention au bruit qu'il va procurer lors de vos déplacements. Parce que les tissus étanches sont des tissus imperméables, sont des tissus lourds et des tissus plastifiés. Alors certes, les fermetures éclair sont zippées étanches, parce qu'elles ne vont pas laisser pénétrer l'eau par rapport à la fermeture éclair, mais le pourtour du pantalon, lui, risque de laisser pénétrer, on va dire, à partir d'un certain seuil, l'humidité et puis l'eau. Et je peux vous garantir, parce que le gros point noir de la veste Portschiff que j'avais avant d'acheter celle-ci, c'était la condensation à l'intérieur. Lorsque je l'avais sur le dos, lorsque je me trimballais en bilbaude d'un temps pareil, je peux vous garantir qu'avec la sueur, il y avait très peu de ventilation sous la veste. Donc l'humidité de la sueur restait sous la veste. Et lorsque j'arrivais à la maison après 2h, 2h30, 3h de bilbaude, le t-shirt, je pouvais le jeter à la machine à laver parce qu'il était trempé comme une soupe. Faites encore une fois aussi attention à cela. Soyez réfléchis dans vos achats. Si vous trouvez des vêtements comme ici le pantalon avec des poches aératrices, c'est peut-être que c'est parce que c'est judicieux à un moment donné. Cela va permettre d'évacuer encore une fois l'humidité et la transpiration. Mais revenons-en au fait de l'étanchéité. Alors, le pantalon, comme la veste, comme les gants, et je dirais que les gants encore pire que le pantalon et la veste, parce que eux ne sont pas du tout waterproof ou résistants à l'eau. Hein. Vous mettez votre main dans une flaque d'eau sans vous en rendre compte, les gants sont trempés. Hein. Et vos mains, glagla, surtout s'il fait un temps comme ça. Hein. Vous pouvez les enlever et les mettre dans vos poches parce qu'ils serviront plus à rien. Mais en ce qui concerne le pantalon et la veste, donc, je dirais qu'ils sont résistants à l'eau. Alors, résistants à l'eau, dans une certaine limite encore une fois, mais si vous vous déplacez en rampant et que vous traversez une flaque de boue, potentiellement, l'eau ne va pas rentrer. Si vous parcourez et que vous ne vous rendez pas compte que vous arrivez sur une flaque d'eau, que vous traversez la flaque d'eau, normalement, vous ne devriez pas avoir de pénétration d'eau. Mais, le pantalon étant désolidarisé de la veste, parce que ce sont deux habits, deux vêtements différents, eh bien, vous avez à ce niveau-là potentialité de rentrer d'eau. Et là, je peux vous garantir que si vous ne faites pas attention, que vous avez de l'eau qui rentre au niveau du ventre, là, c'est aussi gagné, vous êtes content de rentrer à la maison, vous foutez au chaud. Donc les vêtements, encore une fois, nous pouvons dire résistants à l'eau, dans une certaine limite, mais attention à vos déplacements en milieu humide. Le pantalon donc présente deux poches sur les côtés, comme vous pouvez le voir, elles sont assez conséquentes, assez profondes, hein, puisque j'y entre la main jusqu'au poignet sans aucun problème. Ces deux poches sont zippées, donc potentiellement résistantes à l'eau, dans une certaine mesure, encore une fois. J'insiste lourdement, mais je sais pourquoi j'insiste, hein, vu les questions qu'on me pose, je me permets d'insister. Et vous avez ici deux autres poches, des poches pantalon classiques, qui elles ne sont ni zippées, donc ni étanches, ni quoi que ce soit. Et dans ce cadre-là, attention à ce que vous pourriez mettre dans les poches, parce que vu qu'elles ne sont pas zippées, la probabilité que quelque chose tombe de votre poche lors d'un déplacement en rampant, ou alors lorsque vous arrivez sur un banc de sable que vous voulez vous déplacer en rampant, je peux vous garantir que le fait qu'elles ne soient pas zippées, eh bien, ces deux poches se transforment en sablière. Alors, pour ceux qui ont des travaux à faire à la maison, c'est nickel, vous avez du sable gratuitement. Mais pour les autres, lorsque vous en avez plein les poches et que vous avez eu le malheur de foutre des batteries dans ces poches-là, parce que vous n'avez pas fait attention, une petite séance de nettoyage s'impose. Par contre, sur ce pantalon, vous n'avez pas de poche arrière, mais est-ce bien utile, est-ce bien indispensable? Je vous laisse libre cours de répondre à cette question et de me dire pour vous si l'utilité des poches arrière est indispensable. Personnellement, je n'en vois pas l'utilité, sachant que le pantalon
pour ma part, est assez équipé au niveau poche de transport. Revenons-en, si vous voulez bien, aux gants dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Les gants, ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il fait entre 0 et moins 2 degrés. J'ai ces petits gants là, donc ils sont assez suffisants pour me tenir les doigts au chaud. Ils sont assez malléables pour pouvoir accéder aux réglages de l'appareil photo et effectuer des modifications de ces réglages sans avoir à les ôter. Il y a des petits revêtements spéciaux qui vous permettent d'accéder aux fonctionnalités d'écran tactile. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Alors, pas de problème de façon de parler parce que, bon, c'est au petit bonheur la chance. Une fois sur deux, ça fonctionne. Une fois sur deux, ça ne fonctionne pas. Tout dépend, j'ai l'impression, de comment vous posez le doigt sur l'écran pour accéder aux fonctions. Donc, ça va demander un petit peu de dextérité et un petit peu d'entraînement aussi à ce niveau-là pour pouvoir avoir un accès aux fonctions tactiles à 100%. Pour ma part, je trouve que ces petits gants sont très bien. Ils tiennent chaud, juste ce qu'il faut. Ils protègent du froid, juste ce qu'il faut. Rien ne sert d'avoir des gants hyper épais pour un froid intense parce que, dans ce cas-là, vous allez avoir du mal, que ce soit dans la manipulation de l'appareil photo, des différents boutons, des différentes molettes, ou alors l'écran tactile, vous l'oubliez, parce que ça ne fonctionnera jamais. Donc je pense que ces gants sont un très bon compromis, aussi bien dans l'apport du camouflage que dans l'utilisation du matériel. En ce qui concerne maintenant la veste, et là je sais que beaucoup d'entre vous attendent mon retour sur la veste, autant le pantalon, ça fait presque maintenant 6-8 mois que j'ai acheté ce pantalon, donc j'en suis assez content. Il a commencé à vivre des expériences qui sont assez rocambolesques. Il a un vécu qui est là, l'usure n'est pas prononcée, donc pour moi le pantalon est d'un rapport qualité-prix assez satisfaisant. Il est très bien par rapport à l'utilisation que j'en ai. Et son coût d'achat est quand même relativement assez abordable pour le commun des mortels, puisque de mémoire, il est autour de 90 euros. 90 euros au jour d'aujourd'hui, cela reste une somme, nous sommes d'accord. Mais par rapport aux différents vêtements que je peux voir et que j'ai pu voir passer dans mes recherches, nous sommes dans des prix qui sont totalement abordables et qui sont, je dirais, qui ne sont pas démesurés. Puisque nous sommes dans les tarifs, les gants sont aux alentours de 15 euros. Donc vous voyez, là non plus, ce n'est pas la ruine. Et pour l'utilisation, pour le confort d'utilisation, je dirais que c'est un très bon investissement. La veste, elle, par contre, est un peu plus onéreuse. Et je l'ai payée 170 euros. Alors, remettons les choses dans le contexte. La veste équivalente de la Sportif que j'avais avant, si je voulais reprendre le modèle qui vient de sortir, le nouveau modèle, moi j'avais payé l'ancien modèle dans les 300 euros, quelque chose comme ça, avec la doublure incluse, qui était une doublure polaire. La totalité, donc veste plus doublure polaire, m'avait coûté 300-350 euros, je me souviens plus bien, parce qu'il y a de ça maintenant presque 5 ans. Et cette veste, donc 170 euros. L'équivalent sportif au jour d'aujourd'hui, comme je vous le disais, de ma veste sportif avant celle-ci, 550 euros. Alors, oui, il y a la polaire, oui, elle ne fait pas de bruit, oui, elle est étudiée pour la chasse à l'arc, puisque pour vous donner un ordre d'idée, les vêtements qui sont le moins bruyants, ce sont des vêtements de camouflage destinés à la chasse à l'arc, dans ce but-là. Si vous avez des recherches à faire, recherchez des vêtements destinés à la chasse à l'arc, vous allez être quasiment sûr et certain que les vêtements ne seront pas beaucoup bruyants lors de vos déplacements. Je m'éparpille, je pars dans tous les sens, ça devient un petit peu compliqué, il faut que je me recentre sur la veste. Nous étions partis sur la veste, je vais me recentrer sur la veste. La veste a plusieurs équipements qui sont pour ma part assez intéressants et qui sont non négligeables. Parce que le premier des équipements, eh bien, il ne se voit pas, mais là, si j'enlève mes gants, vous voyez ici, j'ai une petite sangle qui vient entourer mon pouce et qui maintient la doublure en place sous la veste en question. Eh bien, croyez-moi, donc la veste, c'est le Papa Noël qui me l'a apporté cette année, que je remercie, Père Noël, merci de m'avoir apporté une belle veste. Mais je peux vous dire que par rapport à la Sportif, où dans certaines situations, la doublure polaire avait tendance à se barrer, il fallait que j'aille la chercher au niveau du coude pour la ramener. Ici, grâce à ce petit accessoire qui ne paye pas de mine et qui ne mange pas de pain, eh bien, sur les 10 sorties que j'ai fait avec ma veste, je n'ai jamais eu besoin d'aller chercher la doublure en dessous et de la remettre en place.
Donc ça, c'est quand même appréciable. Alors, c'est vrai que dans les premiers temps, cette petite lanière a tendance un petit peu à gêner, un petit peu à vous surprendre dans vos déplacements, dans votre gestuelle. Mais nous y faisons très vite, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, vous avez plusieurs équipements à votre disposition. Et comme pour le pantalon, ici, vous avez une fermeture éclair qui va vous permettre de ventiler la veste si vous avez un peu trop chaud. Et qui va vous permettre non seulement de ventiler, mais aussi d'éliminer l'humidité qui va pouvoir s'installer sous la veste. Chose que mon ancienne veste n'avait pas, et encore une fois, j'étais très humide à 90% du temps lorsque je rentrais à la maison. Les poches, comme vous pouvez le voir, sont zippées, étanches, et l'avantage de ce zippage étanche, c'est que il reste quand même bruyant, mais beaucoup moins que ma sportif. Paradoxalement, il est plus bruyant à la fermeture qu'à l'ouverture. Donc là encore, ça sera une gestuelle à opter sur le terrain. Il va falloir un petit peu s'adapter à la situation. Une poche droite, une poche gauche, dans laquelle vous allez pouvoir facilement loger votre téléphone. Personnellement, j'ai mon téléphone qui est ici, comme vous pouvez peut-être le voir. Il tient dans la poche sans aucun problème. Autre aménagement de ces poches, c'est qu'ici, vous avez une petite lanière qui va vous permettre ou de pouvoir mettre votre pipette à eau si vous avez une poche à eau dans un sac à dos, ou alors pour éventuellement vous balader en groupe si vous avez des talkie-walkie, mettre le talkie-walkie dans la poche, laisser passer l'antenne et venir déposer l'antenne ici pour ne pas à ce qu'elle vienne vous fouetter le visage. Vous avez deux poches ventrales aussi, elles qui sont très grandes, hein. Elles aussi, elles tiennent mes mains jusqu'au poignet sans aucun souci. Elles sont elles aussi zippées étanches. Et là, par contre, elles sont un tout petit peu plus brillantes. Donc, attention à ces deux poches. Comme vous avez pu le constater en début de vidéo, cette veste dispose d'une capuche et d'une cagoule de camouflage. Alors, pour des personnes qui sont comme moi, qui sont tout le temps en train de chercher leurs accessoires, leur matériel, à droite, à gauche, parce que vous l'avez posé à un endroit et que vous vous souvenez plus qu'il faut courir après le matériel, qu'il faut chercher avant de partir en billboard, là, vous savez que la cagoule de camouflage est attachée à la capuche. Donc, vous allez chercher votre cagoule au niveau de la capuche. Il faut, petit bémol, il faut bien trouver le sens de cette foutue cagoule, parce que c'est un petit peu pénible à mettre. Et une fois que vous avez trouvé la cagoule, il suffit simplement, voilà, de la glisser. Et ensuite, de la disposer le plus confortablement possible sur votre visage. Et la capuche, elle, bah écoutez, comme vous allez voir, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Voilà. Donc là, vous avez l'ensemble capuche, cagoule, veste qui est à votre disposition sur un même accessoire. Le petit bémol de ces capuches, c'est que bien souvent, elles vous couvrent les oreilles et vous n'avez quasiment pas d'audition au niveau de ce qui va se passer derrière vous, puisque le son va être atténué et il n'arrivera pas correctement à vos oreilles. Donc ça, c'est potentiellement le petit point négatif de ces capuches. Que peut-on dire sur l'ensemble des accessoires de camouflage que j'ai acheté? Bah écoutez, en ce qui me concerne, cela me va tout à fait pour un budget grosso modo de 250 à 300 euros en fonction de l'équipement supplémentaire que vous pouvez acheter. Parce que évidemment, vu que c'est une tenue mi-saison, il va falloir acheter des couches intermédiaires pour pouvoir vous tenir un peu plus chaud, notamment l'hiver et lorsqu'il fait bien froid comme aujourd'hui. Mais le rapport qualité-prix est indéniable quand même. Et pour ma part, je trouve que, vu la conjoncture actuelle, il faut regarder le tarif. Et compte tenu du tarif, c'est un très bon investissement. Je n'ai aucun regret à avoir acheté cette veste, ce pantalon, ces gants. Comme vous pouvez l'entendre, il n'y a quasiment pas de bruit qui est perturbant. Parce que si je bouge, oui, ça fait du bruit. On entend légèrement le bruit. Mais voilà, c'est maîtrisé. Ça reste raisonnable et vous n'allez pas avoir de difficulté à vraiment vous camoufler, à vraiment vous fondre dans la nature si vous faites attention à vos mouvements, à vos gestes. Comme d'habitude, je vous ai mis plein de photos pour vous illustrer mes propos. Je vous mets en description, comme je l'ai dit tout à l'heure, les références des gants, de la veste et du pantalon. Vous savez que cela vient de chez Decathlon. Je n'ai aucun partenariat avec la marque Decathlon. Je n'ai, comme vous le savez, aucun intérêt à aller faire de la pub pour Decathlon, puisque cela ne me rapporte rien. Tout ce que je vous transmets ici, c'est donc mon retour terrain pur
et dur. Vu que je n'ai aucun partenariat avec eux, j'ai donc acheté le matériel avec mes propres deniers encore une fois de plus, vous me direz, mais ah oui. Et grâce à cela, je reste complètement indépendant dans mes décisions, dans mes commentaires et dans mes critiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai du mieux que je peux. Et encore une fois, je vous dis à très bientôt. Faites-vous plaisir, faites des photos.